Ces dernières semaines, quand il n'occupe pas le terrain de la campagne, Pierre Alessandre y récolte ses agrumes pour les transformer en huiles essentielles. Un métier qu'il exerce depuis 1993 sur ses terres du Mandriol, au pied du Mont Godze. Toujours ces mêmes convictions, pouvoir faire quelque chose ici, travailler, vivre au pays, vivre de son travail, donc bien sûr produire, parce qu'on ne peut pas vivre sans produire, et donc beaucoup de travail d'investissement personnel pour remettre tout en état et pouvoir enfin réussir à vivre de son travail au bout de quelques années. Ouais. En 25 ans, son exploitation s'est développée et emploie aujourd'hui 4 salariés. En parallèle, Pierre Alessandri s'est engagé il y a 15 ans dans le syndicat Bia Campagnola. Il a même siégé au sein de la majorité à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud entre 2007 et 2013. Depuis, il ne cesse de s'opposer à la majorité en place, qui doit notamment faire face à un contexte de suspicion de fraude aux subventions dans le milieu agricole. Ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que une action d'un outil consulaire s'est fait au détriment d'autres agriculteurs, d'agriculteurs sur le terrain. Ça s'était jamais vu. On a toujours eu des dérives et choses, mais ça ne se fait jamais au détriment de son voisin. Aujourd'hui, on arrive dans une situation où la surdéclaration, par exemple, a provoqué une baisse de revenus d'une personne qui avait toujours les mêmes surfaces, etc. Donc ça on ne pouvait plus pas tolérer. Donc on ne pouvait pas rester inactif et on se devait donc de réagir fortement. Opposé à la majorité sortante et divisé avec l'autre syndicat contestataire Mossaba Izan. Une démarche commune avait pourtant été annoncée il y a quelques mois. Nous avions fait une proposition de parité qui, pour la Mossa Paisa, ne semblait pas satisfaisante, estimant que nous n'étions pas représentatifs. Donc pour notre part, nous verrons bien ce que donneront les résultats des urnes et qui est représentatif dans l'histoire. Dans ce contexte, difficile de dire si Bia Campagnola arrivera ou non à renverser la majorité en place. Le chef de file de la liste, Prudu Djepekampa, se dit confiant. Thank you.